J'imagine, Yuki Shiro, que tu ne regardes pas Instagram parce que je partage chaque semaine mon planning de live. Je voulais te demander un truc peut-être chiant. Est-ce que tu pourrais mettre les ingrédients là maintenant? Parce que du coup, à chaque fois que je fais la vidéo, je détaille justement les ingrédients. Alors du coup, donc petit récap pour celles et ceux qui ne suivent pas Instagram, qui du coup n'ont pas vu le planning de live. Donc aujourd'hui, on prépare des croque-tablettes. Donc c'est la semaine du moule 3 tablettes, qui est celui-ci. Donc là, on va faire des croque-tablettes. Donc c'est une recette salée. Donc je la fais aujourd'hui parce que du coup, ils nous serviront pour demain midi. Donc ça fera en fait une tablette. Fait l'équivalent de deux croques. Donc là on aura en tout 6 croques, c'est comme 6 croques monsieur on va dire, mais c'est 6 croques tablettes. Et du coup il y aura en plus de la salade et du cake salé aussi. Donc ça aujourd'hui, donc on va utiliser le moule 3 tablettes avec la plaque en alu perforé toujours. Donc pour cette recette, alors pour les ingrédients, c'est un peu compliqué parce que là par exemple la crème, je ne sais pas exactement combien j'en ai mis. Attendez. Là je suis à quoi? Je dois être à 20 centilitres, je dirais. Ouais, je suis à peu près à 20 centilitres de crème. Normalement c'est suffisant. Donc vous allez voir pourquoi c'est compliqué, parce qu'en fait on fait selon nos goûts. Donc c'est vrai que si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Enfin, c'est pas une recette qu'on suit à la lettre comme la pâtisserie par exemple. Donc là par contre j'ai mis 80 g d'emmental. Je ne sais pas si ça ira bien pour les 3 tablettes, normalement c'est bon. Mais après vous pouvez en rajouter plus. Donc là moi j'ai déjà mis 80 g d'emmental râpé. Donc à voir si c'est suffisant ou pas, je vous redirai du coup après. Donc là, tout d'abord, donc on vient mettre dans le fond du moule, donc fond du moule que je n'ai pas graissé avant, comme d'habitude. Donc là, on met déjà l'emmental. Donc on remplit bien. Coucou Stéphanie. Donc là, je vais en rajouter quand même un petit peu. Parce qu'il est vrai que moi, j'aime bien quand l'empreinte est bien recouverte. Donc vous pouvez en mettre un petit peu plus. Donc on est sur environ 100 g d'emmental. Après peut-être que tu parles des... ah les posts Insta. Donc les posts de mes recettes ou chaque recette individuelle? Ah, les ingrédients à chaque recette, d'accord. Bah c'est après faut que je vois, ouais. Oui, je pourrais. Donc là on ajoute les tranches de pain de mie. Donc normalement deux tranches de pain de mie basique rentrent tout pile. Là nous c'était des tranches de pain de mie, mais vous savez le XL. Donc du coup j'ai été obligée de les recouper un petit peu. Mais en temps normal les tranches basiques rentrent tout pile deux. Voilà, donc là, donc j'ai l'emmental, le pain de mie. Ensuite, on peut mettre déjà un petit peu de crème. Donc on, là, on, sur la couche là, on en met juste un tout petit peu. Hop. On essaye de la faire pénétrer sur toute notre tranche.
de pain de mie. Donc vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste pour humidifier, on va dire, le côté là en tout cas. Bonjour. N'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez. Donc là, on a conservé le jambon sous B-Save. Donc ça nous permet de le garder beaucoup plus longtemps. Donc là, j'enlève. Hop. Le couvercle. Et ensuite. Donc là, pareil, le pain de mie était. Le pain de mie. Le jambon. Le jambon était coupé. Donc. Je n'ai pas de tranches déjà faites, mais comme pour le pain de mie, quand ce sont des tranches basiques, en fait, vous pouvez les mettre entières. Hop, donc ça, là. Et coucou ma Kiki! J'ai acheté B-Save, mais il est très bien. Ouais, il est vraiment, vraiment top. Donc là, on ajoute notre jambon. Hop. Vous voyez, encore une fois, c'est une recette qui est vraiment très rapide. Donc cette semaine, c'est du coup le moule B-Save, j'allais dire. Le moule 3 tablettes. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que du coup, c'est un moule aussi que j'aime beaucoup, qui est très pratique si vous faites également si vous voulez faire des bouchées apéritifs, par exemple. Moi, je l'avais fait. Donc, par exemple, vous faites comme je suis en train de faire là. Et une fois que... donc là, c'est du fromage à raclette que je mets par-dessus. Donc, je disais, quand vous faites vos bouchées apéritives, donc là, vous faites la même manière que moi. Donc, le croque-tablette. Et ensuite, quand c'est démoulé, vous recoupez en suivant les petits carrés qu'il y a. Et ça vous fait en fait des tout mini croque-monsieur que vous pouvez mettre du coup avec un petit cure-dent. Vous mettez ça sur plateau et c'est vraiment, vraiment top. Ah, ça y est, tu vis de la piscine. Ouais, bah je crois que là, au niveau du temps... Enfin, tu me diras, chez nous, là, le temps, ça remonte la semaine prochaine. Donc après le fromage raclette, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Moi habituellement, puisque j'ai déjà fait cette recette, hein, quand je la fais, je n'en mets pas. En général, je mets juste comme un croque-monsieur en fait. Je mets simplement de l'emmental, du jambon et c'est suffisant. Oui, oui, de l'as baigné, c'est sûr que... Voilà, donc là on a notre fromage. Bonjour Caroline. Ah, t'as commandé le moule barquette, super. Tu l'as commandé quand? Donc là, du coup, on va remettre notre pain de mie. Donc, comme je vous dis, hein, normalement, si vous achetez le pain de mie,
le pain de mie basique, on va dire, vous n'avez pas, vous n'avez pas à recouper, hein. Vous avez juste à mettre vos tranches. C'est vrai que là, du coup, pour moi, c'est un peu moins pratique. Ouais, ça commence vraiment à se rafraîchir. Je vous décale parce que vous ne voyez pas trop. Là, on comble un tout petit peu avec de l'emmental. Ça sera bien gourmand, hein, les enfants vont kiffer. Bah après, d'un côté, que ça se rafraîchit, c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai qu'on a eu super chaud. Voilà, donc là, on peut repositionner nos tranches de pain de mie. Ouais, c'est des maxi croque-monsieur. Comme je vous ai dit, du coup, bah, à manger avec un peu de salade. Nous, en plus, il y aura du cake salé. Donc, autant vous dire que déjà, un par personne, ça sera très bien. Plus, plus les salades et les petits à côté, c'est top. Voilà, parce que du coup, je répète, donc une tablette est égale à deux croque-monsieur. Donc là, c'est pour demain midi. Donc du coup, le mercredi midi, il n'y a que les quatre enfants du coup qui vont manger, parce que la madone n'est pas là. Et nous, en général, on ne mange pas le midi, ou alors on va manger des restes, donc par exemple la soupe, etc. Donc voilà. Donc là, on aplatit un petit peu, parce que du coup, comme ils sont maxi, ils prennent maxi place. Là, je prends mon petit pichet où j'ai ma crème. Oh là, ma crème fraîche. J'en remets juste un petit peu. Normalement, ça ira. Et là, je vais venir passer deux œufs. Alors là, c'est de la crème entière. Mais après, vous pouvez mettre tout type de crème. Moi, j'en ai déjà fait avec de la crème liquide légère. Ça fonctionne aussi. Donc là, avec nos deux œufs, qu'on mélange bien. Et là, on peut également assaisonner. Donc, mettre un petit peu d'épices, tout ça. Alors, salé, pas forcément. Parce que, du coup, il y a le jambon et tout ça, le fromage. Donc, c'est déjà pas mal relevé. Moi, je vais juste ajouter de la nette parce que la nette c'est trop bon. En plus avec la crème comme ça et tout, ça se marie super bien. Donc évidemment avec la cuillère magique. Voilà, donc là j'ai bien mélangé. Donc comme on a mis les jaunes, c'est un peu épaissi. Et là vous reprenez votre moule et vous allez en verser sur toute la longueur pour bien remplir le tout. Donc là ça va remplir justement les petits bords. De bien en mettre partout, surtout sur toute la tranche de pain pour que ce soit bien bien humidifié. Et là, si vous en reste encore, hop, on peut en remettre.
coup, ça c'est le dessous hein, du croc. Je pense que vous avez déjà vous avez compris que avec ce moule là, du coup, le dessous c'est le dessus. Donc là, forcément, ce que je suis en train de faire là, ce sera le dessous. Et du coup, sur le dessus, il y aura notre fromage gratiné qu'on a mis au début de la recette. Moi, je pense pour la crème qu'il faut un peu plus qu'une crème, qu'une brique de 20 cl. Parce que comme tu en mets un tout petit peu au départ, plus après là, hop, donc là, hop, et hop, là on est bon et on va pouvoir déjà enfourner. Voilà, donc vous avez vu, ça a été très très rapide. Donc on a nos crocs bien gourmands qu'on va mettre au four. Du coup, au four environ 20 minutes. Donc dans 20 minutes, on vérifiera et s'il faut remettre, on remet. Donc là, je vais remettre mon jambon. Save. Hop. Oh les chiens. Donc là, vous voyez que j'ai remis dans le pot, donc avec le couvercle. Et là, on va. Oui, chaleur tournante. Et là, du coup, on va venir vider l'air de notre pot. Donc là, on place l'appareil simplement dessus. On laisse prendre quelques secondes. Et là, on peut lâcher et du coup, dès que c'est terminé, ça va se relever tout seul. Vous allez voir. Et voilà, donc là, notre mise sous vide est faite. Donc notre couvercle est bien scellé. On peut remettre ça au frigo. Et on est prêt. Gordon, il y a un cacahuète. Donc, est-ce que vous avez tous vu le planning de live le planning de live de la semaine. Est-ce que vous êtes toutes et tous allés voir sur Instagram et est-ce que vous avez tous commenté? Là, cacahuète. Oui, oui, Céline, elle est très assidue. À chaque publication, elle vient et elle commente. Coucou. Même les toutous se régalent. Ça, je vais pas trop leur en donner. S'ils ont déjà mangé. Oui, c'est très gentil. Et du coup, Mel, est-ce que tu as commenté? Parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder, parce que je vois le nombre de personnes qui regardent les stories, par exemple, et ça ne correspond pas du tout au nombre de personnes qui commentent. Hein. Ok, cacahuète. Là, elle voit rien. Voilà. Bah en même temps quoi? Ah oui, la reprise après congé parental, ouais, pas évident.
J'ai pas dit que vous ne pouviez pas regarder sans commenter. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que comme on l'a beaucoup expliqué, c'est simplement en fait que pour soutenir en fait les gens qui travaillent sur les réseaux, c'est vrai qu'on peut faire de petites actions qui sont gratuites, mais qui aident beaucoup. Donc rien qu'un like ou un commentaire, et ben en fait ça nous aide beaucoup. Et vous, ça vous a rien coûté. Après, moi je pars du, enfin, chacun fait comme il veut. C'est simplement que moi je pars du principe que quand je vois une vidéo ou une publication qui, pourquoi quémander? Mais pourquoi commenter? J'ai envie de te dire. C'est pareil. Je ne quémande pas. Pour moi, c'est pas quémander. C'est pas pire que les gens qui viennent commenter et qui en fait n'aiment pas la personne ou n'aiment pas ce qu'elle est en train de faire. Bonjour. Je dis simplement voilà pour les gens. Vous devenez comme ceux de la TV réalité. Et là. Ma foi. Là. Coucou. C'est marrant quand même tous ces gens qui ont ce genre de discours et qui au final sont les premiers à regarder justement ces gens de la télé-réalité ou nous tout simplement qui travaillons sur les réseaux, c'est les premiers en fait à nous regarder, à nous suivre et à faire des commentaires sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, et après ils viennent nous reprocher de le faire. Mais moi, j'ai envie de dire que le plus grave dans tout ça, bah, ce sont les gens qui regardent en n'aimant pas ce qu'ils sont en train de voir. Tu vois, enfin, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Je veux dire, moi, là, tu vois, il est 14h. Si j'avais autre chose à faire que de travailler, parce que c'est mon travail, donc si j'avais, comme je pense, certaines personnes qui me regardent et qui commentent n'importe quoi, si j'avais du temps libre du coup pour ça, et ben en fait je préférerais le passer autrement, tu vois, par exemple en faisant des choses que j'aime plutôt qu'en me forçant à faire des choses ou à regarder des choses que je n'aime pas. On vous regarde car pas besoin de réfléchir pour vous regarder, vous vous donnez ce que vous critiquez, ma belle. Alors déjà je suis la belle de personne, donc écoute, je vais te bloquer comme ça. Tu ne t'infligeras plus ce supplice. Voilà. Un petit like ou commentaire, ça ne nous coûte rien, alors force alors. C'est gentil. Non, mais après, voilà, je force personne non plus. Je vous insulte pas non plus. C'est juste qu'il est bon de le rappeler parce que tout le monde n'y pense pas et les gens ne se rendent pas compte des fois que quand on fait une vidéo comme ça ou une publication, en fait, on peut nous aider de cette manière-là gratuitement. Je veux dire, je ne fais pas de live match comme justement ces gens de la télé-réalité qui maintenant font des live match à tout va pour faire payer les gens pour gagner de l'argent. Moi, je fais des lives, ça ne vous coûte rien de me regarder. Je fais des publications, ça ne vous coûte rien de les regarder. S'il y a des gens qui sont intéressés par mes produits, ils peuvent les acheter, mais ils ne sont pas obligés. Enfin, je veux dire, je pense que je n'ai rien à voir avec tout ça. Donc, à un moment donné, c'est juste que certains, comme j'ai dit, ne se rendent pas compte. Et des fois, on reçoit des messages en disant, par exemple, moi, j'aimerais bien te soutenir et t'acheter quelque chose, mais j'ai pas trop le budget.
Et en fait, c'est pour ces personnes-là, moi, que je le dis, c'est que du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter quelque chose pour nous soutenir. Vous pouvez simplement liker ou commenter. Maintenant, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Enfin, je veux dire, c'est... C'est tout, c'est tout. Faut arrêter. Vous savez, être sur les réseaux sociaux, je crois que c'est vraiment, mais vraiment, de pire en pire. Vraiment. Bref, comme j'ai dit, là on est là pour cuisiner. Je vais pas m'étaler sur tout ça. Les gens, beaucoup m'exaspèrent vraiment. J'en ai vraiment ras la casquette. Heureusement que je fais mes lives et tout ça parce que j'aime cuisiner, j'aime partager avec vous. Et il y a quand même une communauté qui est là et qui est sympa. Parce que sinon, vraiment, en fait, la plupart des gens pensent que moi, par exemple, je joue de la trompette toute la semaine assis sur mon canapé, tu vois. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Donc moi, c'est juste ça qui m'exaspère, plus voilà, beaucoup d'autres choses. Mais bref, on est là pour parler recettes. Donc on va parler recettes. Donc, petit récap de ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Donc le moule, 3 tablettes, la plaque en alu perforée. Ensuite, j'ai utilisé ma spatule double en bout. Évidemment, la cuillère magique et mon petit fichet. C'est vrai que t'ailles voir après quand on aura fini. T'as, il a pété le mur là. Oh, c'est trop bien. Ouais. Et je dis, tu vois, c'est vachement bien. Comme quoi, hein. Bah oui. Donc toute la semaine, on sera... Ah, j'ai pas allumé là, c'est pour ça qu'il fait un peu son... Donc du coup là toute la semaine j'ai choisi le moule 3 tablettes parce que vous avez été nombreuses la semaine dernière. J'avais demandé en live justement si quelqu'un, enfin si vous aviez un moule en particulier que vous vouliez voir. Et le moule 3 tablettes est beaucoup ressorti. Donc là je vais vous redire les recettes de cette semaine. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi sur Instagram. Oui, bloqué Zozo, mais je crois qu'il n'y a personne en fait. C'est pas grave. Zozo est un peu Zozo. Moi. Alors du coup, donc les recettes de la semaine. Donc nous avons aujourd'hui le croque-tablette. Demain ce sera les gaufres-tablettes. Jeudi, brownie et vendredi, madeleine. Voilà. Donc j'espère des recettes que vous allez apprécier. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je le redis. Je sais que ça en énerve certains, alors du coup... Donc j'ai fait une jolie publication en plus, regardez. Voilà, et en page 2, vous avez le petit planning. Donc j'ai fait également une publication sur le nouveau kit de démarrage. Alors je sais pas, pareil, Madeleine, oui, Madeleine avec le moule tablette. Ça y est, petit partage sur Insta fait. Ça m'a pris 20 secondes de ma petite vie. C'est très gentil, merci beaucoup. Oui, j'ai des modos, oui. Donc du coup, je vous ai fait également une publication sur le nouveau kit démarrage. Donc le nouveau kit de démarrage, c'est pour toute personne qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de conseillère comme moi. Donc il est composé du moule 5 Keklon, du moule Cubicube, du moule Mini Donuts, de la toile de cuisson, de la plaque en alu perforée, de la spatule double en bout justement qu'on a utilisé, du tablier de cuisine. Et il est à un prix de 69 € au lieu de 233 €. Donc soit une économie de plus de 160 €. Donc en plus, donc vous investissez 69 € et vous vous équipez de tout ce kit-là. Ensuite, vous avez 2 mois pour effectuer un certain chiffre de vente.
pour vous faire rembourser ce kit. Donc si vous faites ce chiffre, vous vous faites rembourser à 100% le kit. Donc en fait, vous vous serez équipé pour 0 euros. Maintenant, si vous n'y arrivez pas ou si vous n'avez pas le temps, et etc. Bref, si vous ne faites pas ce chiffre, il n'y a pas de souci. Il ne vous coûtera quand même que 69 euros, donc le prix que vous l'aurez commandé au départ. Et vous pourrez quand même poursuivre votre activité et du coup continuer vos ventes, vos ateliers ou sur les réseaux sociaux, c'est vous qui voyez. Donc chez Guy de Marle, il n'y a aucun chiffre obligatoire à faire. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous faites de manière consécutive 50 euros. Voilà, 50 euros au mois de juin, 50 euros au mois de juillet, 50 euros au mois d'août. C'est pas grave. C'est pour vous, en fait. En fait, c'est personnel. Moi, je pars du principe que si on se lance dans la VDI, c'est qu'on a besoin d'argent et qu'on veut se faire un petit plus. Voilà. Donc, moi, comme toutes les autres, si je fais ça, c'est pas par... par bonté, parce que je m'ennuie au départ, c'est parce que on veut se faire un petit peu plus d'argent, forcément. Donc, que ce soit de l'argent de poche ou un salaire complet, ça après, c'est en fonction de ce que vous allez faire. Forcément, si vous vous dites, moi je fais que un atelier par mois, et qu'en dehors de ça, vous ne faites aucune autre vente, que vous ne faites pas de vidéos que vous publiez, ou pas de photos, ou rien du tout, que vous n'en parlez pas, forcément, vous n'allez pas vous faire un salaire complet. Je veux dire, forcément, ce que vous allez gagner, c'est en fonction du travail que vous fournissez. Moi, justement, je fais un live tous les jours, pratiquement. Je fais des publications tous les jours, des stories tous les jours. Parce que du coup, bah, c'est ça qui fait que, à force, vous allez vous faire votre clientèle, etc. Il y a beaucoup de VDI qui pensent... Moi, il y a beaucoup de personnes, hein, alors vous allez dire, non, mais c'est logique, en fait. Mais je vais vous dire, moi, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, du coup, si je ne fais pas de vente, j'ai quand même mon salaire. Bah non, c'est le principe de la VDI, en fait. Tu es rémunéré sur les ventes que tu effectues. C'est pas comme, comme si tu travailles dans un magasin de chaussures. Si t'as pas fait une vente de la journée, tu auras quand même ton salaire à la fin du mois, tu vois. Non, il n'y a pas d'entretien. En fait, au départ, moi, je communique quand même avec les personnes. Et je vois déjà, si vraiment elles ont vraiment envie de faire ça ou quoi. Merci pour le follow. Donc, je vois déjà si elles sont vraiment motivées ou pas. Ensuite, il y a un petit formulaire à remplir. Donc, on ne me le transmet pas à moi, mais à Guy de Marle directement. Et ensuite, c'est Guy de Marle qui choisit si, oui ou non, la candidature est validée. Mais du coup, quand vous faites partie de mon équipe, moi, en fait, je vous suis. J'ai un groupe, d'ailleurs, dédié pour les personnes de mon équipe. Qui me permet en fait d'avoir un visu sur l'équipe au complet et qui me permet soit de vous donner des informations au fur et à mesure. Donc par exemple, quand il y a le nouveau catalogue, un nouveau produit ou des choses comme ça, je publie sur le groupe. Comme ça, si vous n'avez pas forcément vu sur la plateforme, et là vous avez l'info. Il y a des fois aussi, je fais des publications. Je les mets à disposition en fait de mon équipe. Donc je les mets sur le groupe et je vous dis si vous voulez partager ça, allez-y. Et du coup elles peuvent partager sur leur Insta, sur leur Facebook ou peu importe. Non, faut pas forcément être dans mon secteur. Après, quand c'est des personnes qui sont de mon secteur, et forcément j'aurai plus de facilité à me rendre par exemple à leurs premiers ateliers pour pouvoir les conseiller, etc. Mais après, moi, la plupart de mon équipe sont des personnes qui habitent loin et que je n'ai jamais rencontrées. Donc justement, c'est pour ça que j'organise régulièrement en fait des visios, donc avec que mon équipe. Voilà, c'est pas un live, c'est pas tout ça, c'est des visios où il y a juste mon équipe qui est présente, enfin celles qui sont dispo et celles qui en ont envie. Et du coup, on peut échanger. Donc, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, et des fois, c'est entre vous aussi. Par exemple, des fois, il y a une conseillère qui va dire « tiens, moi, je fais comme ça. Ah oui, bonne idée, et moi, je fais comme ça. » Enfin, voilà. Même moi, il y a des fois, je peux avoir des choses que j'entends et je me dis « Oui, c'est vrai, c'est pas bête de faire comme ça. »
Enfin voilà, on peut du coup échanger, se donner des conseils et tout ça. On est payé plus quand on est manager comme toi ou c'est bénévole? Non. Alors, en fait déjà, selon la formation que vous allez faire, vous allez pouvoir monter en grade, entre guillemets. Donc c'est une formation qui est gratuite hein, par Guy de Marle, que vous faites du coup en ligne. Donc du coup, quand vous en avez envie, quand vous avez le temps. Ah, merci Aurélie. Donc vous faites cette formation quand vous en avez envie, quand vous avez le temps. Et du coup, ça vous permet de prendre en connaissance et du coup d'augmenter en fait vos commissions, enfin votre pourcentage de commission. Et ensuite, bah, quand vous devenez manager, donc à partir du moment où vous avez fait entrer une personne dans votre équipe, vous devenez manager. Et à ce moment-là, bah, vous gagnez encore un peu plus. Donc vos commissions augmentent. Et voilà. Et après, vous avez aussi accès à des formations en physique. Donc, en général, c'est régional. Donc là, vous avez votre directeur de région qui se déplace et qui organise voilà, une formation avec toutes les conseillères de la région. Et vous vous retrouvez. Et moi, j'y suis allée pratiquement à chaque fois. Et c'est vrai que c'est super enrichissant parce qu'on apprend des choses. En plus, on communique avec d'autres personnes. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. C'est un peu comme d'autres fonds avec le parrainage, je dis en gros, quoi. Oui, voilà, mais c'est un peu ça. À part que c'est pas un système pyramidal, tu vois. Parce qu'en fait, avant, certaines VDI avaient ce système-là. Ça veut dire que quand elles avaient une équipe, même si elles ne travaillaient pas, elles touchaient une participation sur les commissions de leurs équipes. Donc des fois, si elles avaient vraiment une grande équipe, elles pouvaient rester chez elles, ne rien faire et toucher le pourcentage des commissions de leurs collègues. Alors que moi, c'est pas comme ça. Chez Guy de Marle, du coup, on est obligé de travailler. Et si on a travaillé, on va pouvoir avoir une partie en fait en plus de ces commissions. Mais si j'ai fait zéro chiffre, je n'aurai rien du tout. Voilà, c'est pour que justement, en fait, on puisse tout travailler et pas juste faire rentrer les gens. Allez, bosser, 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 et puis toi, t'es là, tu fais rien. Non, là, du coup, on est obligé de travailler aussi et de faire notre chiffre. Voilà. Une ancienne collègue faisait partie light. Oui, voilà, il y a plein de VDI. Bon, je vais voir mon petit four. Donc, je vais juste laisser encore un tout petit peu. Donc voilà, du coup, c'est vrai que là, jusqu'à la fin du mois, c'est jusqu'au 30 septembre, du coup, vous avez cette offre-là avec ce nouveau kit. Donc, nouveau kit de démarrage qui vous permet déjà de super bien vous équiper dès le départ. Parce que si vous commencez votre activité avec, du coup, trois moules, une toile de cuisson, la plaque en alu, la spatule double en bout, etc., on va dire que vous avez déjà de quoi faire un atelier et montrer déjà pas mal de produits. Voilà. Parce que souvent on a peur et on se dit ouais mais je vais commencer mais du coup les gens je vais leur faire quoi parce que j'ai rien. Bah si, là vous partez, vous avez déjà trois moules et avec tout ce que vous pouvez faire déjà avec un seul moule, vous avez de quoi largement faire ou vos vidéos, ou vos photos, ou vos ateliers. Là par exemple le moule 5 cake long. Voilà, ça c'est un moule, c'est un des best-sellers, on va dire, de Guy de Marle. Le moule cubicube, pareil, et la nouveauté, c'était le moule mini donut. Celui-là, ça fait pas super longtemps qu'il est sorti. Donc, avec tout ça, vous avez largement de quoi faire. Parce que comme je le dis, vous avez toutes les recettes sucrées, des recettes salées. Enfin, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc,
Donc c'est vraiment un très très bon démarrage. Donc si jamais ça vous dit que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, donc c'est Influence Gourmande. Comme ça, je vous donnerai toutes les infos. J'ai fait d'ailleurs un livret d'accueil que je peux vous transmettre pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Et comme je l'ai dit en film, vous avez le petit formulaire à remplir en précisant que je suis votre conseillère. Comme ça, vous pouvez intégrer mon équipe. Et du coup, après, vous intégrez, une fois que c'est validé par Guy de Marle, moi, je reçois le mail. Et à partir de ce moment-là, je vous fais intégrer, du coup, le groupe de l'équipe. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec, avec le recrutement. Moi, comme j'ai dit, je force personne. Pour moi, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir des gens qui sont motivés. Parce que... sans vouloir viser personne ni quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu et entendu des conseillères. Je t'ai pris en balade avec moi. Ah, c'est cool! Il met toutou aussi alors. Du coup, j'ai déjà vu et entendu des conseillères justement aux formations quand on est vraiment toutes là. Et c'est vrai que beaucoup, par exemple, quand pour avoir beaucoup de personnes dans son équipe, elle va proposer aux gens, tiens, si tu veux, tu as le kit à 69 euros, comme ça tu as 100 euros, 150 ou 160 euros d'économie, tu as le kit, en même temps tu intègres mon équipe, comme ça la personne, en fait, elle se retrouve avec une équipe de 35 personnes, donc forcément, on se fait un peu mousser parce qu'on dit, ah, t'as vu, elle a 35 personnes dans son équipe. Ouais, mais en fait, t'en as combien qui travaillent? Ah, j'en ai deux. Ouais, donc en fait aucun intérêt, tu vois. Moi ça m'intéresse pas, me faire mousser gratuitement comme ça, non, c'est pas mon but. Moi en fait j'ai envie d'avoir une équipe qui est motivée, pas forcément qui va faire des millions, ça c'est pas mon truc non plus. Après forcément, je vais pas vous dire de conneries, forcément si j'ai une équipe que tout le monde travaille super bien et fait des super bons chiffres, forcément moi ça va m'apporter quelque chose. Il faut être honnête à un moment donné. Mais je veux dire, moi, c'est plus parce que sur le côté humain, parce qu'en fait, je trouve ça plus valorisant de se dire, on communique en fait avec des gens qui s'intéressent à ce que je leur dis, ce que je leur propose, plutôt qu'être face à des gens, t'essayes de leur partager des choses, de leur expliquer comment ça marche et tout, mais en fait, ils s'en foutent et ils veulent pas. Eux, ils voulaient juste le kit et basta. Non, moi, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, je prends du temps à organiser les visios, à organiser les sujets de discussion en fonction de ce que l'équipe veut savoir ou pas, sur quoi ils veulent travailler. Je prends du temps aussi à contacter les membres de mon équipe pour leur demander si tout se passe bien, si elles ont besoin d'un accompagnement pour passer leur première commande, pour faire leurs premiers ateliers, pour leur donner des conseils sur des recettes, sur comment utiliser ça ou ça. C'est du temps tout ça. Donc moi, j'ai pas envie de brasser de l'air en fait, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est tout. J'arrête là. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez sur Instagram et je vous répondrai. C'est clair, puis c'est super satisfaisant quand tu te dis, je réussis, c'est moi grâce à moi. Non, mais c'est vrai que c'est valorisant. Et voilà, donc nos croque-tablettes que je vais mettre de côté le temps que ça refroidisse un petit peu. Ah, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait hier soir, attendez. Ouais, et puis alors l'odeur, je vous dis pas. Bonjour. Oh, c'est mouche. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Petit indice, je me suis servi de ma bobo pour le faire. Allez-y, dites-moi.
C'est bien, vous avez suivi. Oui, c'est mon fromage de chèvre. Et regardez pour l'instant où j'en suis. Je vais vous montrer un peu la texture du coup. Regardez. Vous voyez ? On est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Alors, j'ai déjà goûté un petit peu tout à l'heure. Ah ouais, franchement. Donc là, du coup, je le fais égoutter. Donc ça, c'est le petit lait. Oui, beaucoup de quantité pour le prix du lait, c'est clair. Donc là, en plus, je récupère le petit lait. Et le petit lait, je vous en avais parlé la dernière fois. En fait, je le réutilise après pour faire mes recettes. Par exemple, la recette du pain de mie et tout. La dernière fois, j'avais fait un fromage frais et je me suis servi du petit lait pour faire mon pain de mie. Donc en fait, rien n'est gâché, tout est réutilisé. Donc c'est vraiment top parce que déjà, on fait une économie pour le fromage frais. Enfin pour le fromage de chèvre, parce que ça coûte quand même un certain prix, n'est-ce pas, d'acheter du fromage, il faut dire la vérité. Donc là on a juste un litre de lait entier de chèvre et quelques gouttes de présure. Ensuite c'est simplement le programme à lancer. Donc moi je l'ai mis 14 ou 15 heures, je sais plus, 15 heures. Donc je l'ai mis 15 heures. Et ensuite il y en a qui achètent, vous savez, les ustensiles exprès pour faire égoutter et tout. Moi, je le mets dans la passoire du Cookéo. Et ça fonctionne très bien, vous voyez, parce qu'il est déjà bien épais. Donc, je le mets là. Donc là, je le fais égoutter jusqu'à demain à peu près. Donc, j'ai déjà pas mal de petits laits. Et je vais pouvoir me resservir du petit lait et en plus du fromage. Donc voilà, je suis très contente en tout cas. Et en plus, vous allez voir, je vais essayer de faire des petites formes. J'ai pas écouté, c'est quoi? C'est du fromage de chèvre. Donc après, je vais essayer de le mettre dans un moule pour lui faire prendre une jolie forme. Et oui, fait maison. Donc après, on aura des portions individuelles de fromage de chèvre. Voilà. Donc on pourra facilement le soir, oh tiens, au lieu d'avoir un petit kiri emballé industriel, on aura un petit fromage frais, fromage de chèvre fait maison à déguster. Voilà, donc je vais remettre ça au frais. Oh, les chiens, ils sont pénibles. Incroyable. Ah, coucou. Ouais, ça fait longtemps. Ah. T'es con un peu, Laura. Hein. Donc là, je vais vous montrer le démoulage. Faudrait peut-être que j'attende un petit peu. Oh, les chiens dans la cuisine. Oh, oui, vous pouvez vous en servir pour faire des yaourts aussi, oui. En fait, le petit lait remplace le lait. Voilà. Ouais, mais oui, donc du coup, je disais, les chiens dans les pâtes, là. En fait, quand on cuisine pour la box gourmande, vous savez, pour l'entreprise, du coup, on met une barrière. Comme ça, parce que voilà, on ne cuisine pas avec les chiens dans les pattes. Donc, regardez-moi ça, le démoulage. Donc, du coup, on est tranquille. Mais c'est une barrière qu'on enlève après. Hein. On la laisse pas. Et c'est vrai que j'ai dit ce matin, je crois, à Adrien, il faudrait en fait qu'on en mette une
comme on a en fait pour monter aux escaliers des chambres, il faudrait à la limite qu'on en ait une qu'on laisse tout le temps en fait. Comme ça au moins on est tranquille. Parce que c'est chiant. Donc voilà, vous avez vu notre démoulage. Alors regardez de côté. Voilà. Voilà. Ouais, je reprends avec avec des recettes salées. Ben en fait maintenant, donc je sais pas si tu as suivi. Déjà, si tu n'as pas vu, va voir sur Instagram, n'hésite pas à laisser un commentaire. Mais du coup, je fais maintenant par semaine. Donc chaque semaine, je me décide d'utiliser un moule que je vais utiliser à chaque live. Donc du coup, là je commence par une recette salée, donc c'est les croques. Ensuite, toute la semaine, je vais réutiliser le même moule, mais à chaque fois pour une recette différente. Et comme ça, bah, vous pouvez voir avec un moule toutes les utilisations différentes qu'il y a. Voilà, au moins après on peut pas dire « Ouais mais je sais pas, t'es sûr que je peux faire ça ?» Bah si tu sais, puisque t'as regardé. Et donc du coup, ce que je vous disais, c'est que pour un apéro, vous pouvez découper, vous voyez les petits carrés là. Bah moi j'avais découpé chaque petit carré, j'avais mis un cure-dent, tu te rappelles ce que j'avais fait? Donc j'avais mis un cure-dent sur chaque petit carré, tout découpé, et ça vous fait des mini bouchées en fait. Voilà. T'as mis combien? C'est bon. Oui. Il est bon hein? Oui. Et là, du coup, bah, ça fait donc une tablette, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait l'équivalent de deux croques. Donc là, du coup, on les coupera tous en deux, ça nous fera six croques pour les quatre enfants demain midi. Mais bon, c'est des croques big déjà. Et puis, comme j'ai dit, il y a d'autres choses. Il y a de la salade et ils auront du ketchup salé parce que là, on a du travail. Donc d'ailleurs, je vais bientôt couper, comme ça on va s'attaquer à cette box qu'on a en préparation. Et du coup, ben, j'en fais toujours plus en fait pour qu'il y ait des restes pour nous. Voilà, comme ça on est quitte de repréparer pour nous après. Coucou Pepito 67, ça va et toi? Bon après-midi. Bon du coup je vais vous laisser, comme je vous dis, je vous le redis, allez sur Instagram, cliquez, likez, partagez, tout ça. Et soyez au rendez-vous demain après-midi pour la recette des... Demain attends, demain c'est les croque-tablettes. Mais c'est ça les croque-tablettes. Oui, attends, aujourd'hui c'était ça, jeudi c'est brownie, vendredi c'est madeleine et demain du coup c'est... Je sais plus. Demain, c'est les gaufres. Ah, les gaufres, voilà. J'ai mis les gaufres le mercredi. Je dis comme ça, ce sera prêt pour le goûter. Les enfants seront contents. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, allez, bon après-midi. Amusez-vous bien. Il y avait une mouche sur l'objectif. Allez, à demain.